elle est populaire, beaucoup plus, jusqu'à la démesure même. Mylène Farmer est attendue au Stade de France pour 3 concerts à partir de vendredi. Eh bien, figurez-vous que certains fans campent déjà devant l'enceinte depuis plusieurs jours. Bonsoir Luc Chemla. Bonsoir. Vous êtes allé les voir, peut-être avec un thermos, vu la météo. Oui, mais malgré la pluie et la fraîcheur, ils sont des dizaines à avoir installé leur tente sur le trottoir au bord de la route près des entrées du Stade de France. Elio nous ouvre la sienne et on y trouve plusieurs affaires à l'effigie de la chanteuse. J'ai un plaid, j'ai une casquette. Donc en fait, là, vous dormez avec Mylène? Non, c'est elle qui dort avec moi. Je suis content. Il a des tatouages également représentant Mylène Farmer. Cet étudiant au Savoyard de 18 ans est arrivé hier et rate depuis des cours. C'est un peu original comme aventure, mais bon, on fait ça pour elle et puis je suis un peu sans limite, on va dire. C'est un fan absolu de cet artiste qu'il a découvert enfant par hasard à la radio et donc la voir en concert. C'est un besoin, c'est une envie très profonde, c'est indispensable de faire ces choses. Un peu plus loin, d'autres campeurs venus de toute la France sont réunis autour d'un verre. Tous, comme Nicolas, ont payé 125 euros et veulent entrer dans les premiers vendredi dans la fosse et ainsi... Pouvoir la voir de très près, pouvoir échanger un regard avec elle. Mais venir tôt, c'est aussi pour le côté partage, explique Anna, 52 ans. On fait des rencontres, il y a des couples qui se forment, voilà, ça va même jusque-là. Et effectivement, on garde des amitiés avec ces personnes-là. Car ils ont une passion commune et aussi un lien spécial avec la chanteuse. C'est une grande sœur pour moi, je pense, et une confidente. Elle représente un échappatoire. Et globalement, tous ont une chanson préférée qu'ils espèrent entendre vendredi. Pour Elio, c'est « Rêver ». J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer au souffle du vent. Merci Luc Chemla, moi je retiens que c'est un lieu de rencontre quand même. Ben mec, ça m'étonne pas de vous. La file d'attente du Stade de France. Merci Luc Chemla. Allez, merci à vous Hélène Philly.